في إطار التعاون الدولي وفي إطار أيضا نتيجة واحد العدد ديال العلاقات اللي كتشتغل عليها الجهة مع عدد ديال المؤسسات الدولية. كان هناك اشتغال مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية اللي وقعنا معها اتفاقية من أجل مواكبة الجهة في تنزيل مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية. وكان أيضا هناك اليوم دراسات ما بين الجهة والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تمويل بعض المشاريع. وبالتالي اليوم جاء وفد فرنسي يترأسه السيد سفير فرنسا بالرباط، وكذلك رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، مرفوقين بالسادة القناصلة وأعضاء الغرفة التجارة والصناعة من أجل افتتاح مكتب جهوي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بجهة إقليمي موادون. الهدف من هذا الافتتاح هو الدفع بالعلاقات ما بين غرفة التجارة الفرنسية والجهة والمؤسسات الاقتصادية بالجهة بصفة عامة. وإحنا بالنسبة لنا هو فاعل، لأن يعني الغرفة هي فاعل اقتصادي مؤسساتي مهم في الـ 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 يعني الـ الـ المنظومة الاقتصادية الدولية بصفة عامة. C'est l'ouverture d'une délégation de la Chambre française de commerce et d'industrie ici à Guelmim. Ce n'est pas la première fois que la Chambre ouvre des délégations dans le sud du Maroc. Elle est un peu présente partout dans le royaume. Mais on a pensé que c'était une très bonne occasion de montrer autour de la Chambre toute l'équipe France qui est très investie depuis longtemps dans cette région. Parce qu'on l'a bien entendu de la bouche de la présidente, c'est une région vraiment pilote qui fait la jonction entre le nord, le sud, tournée aussi vers les pays du Sahel. Et donc la réussite de cette région sur la base du plan de développement qui nous a été présenté est forcément un objectif cardinal, prioritaire du Royaume, à laquelle un pays qui veut être son partenaire, il l'a été hier, il l'est aujourd'hui, il veut l'être demain, ne peut que s'associer. Et donc notre équipe France, elle a amené l'Agence française de développement, qui n'a pas attendu ce matin ou cet après-midi pour découvrir cette région, qui a déjà toute une série de projets dans le pipe, la rénovation de la Médina, un des travaux sur les oasis et plein d'autres encore.